Bonjour mes petites merguez, voilà, j'ai un petit souci technique, je vous explique. Alors mon souci technique, c'est, vous voyez, moi quand je suis sur Fortnite, voilà, vous voyez, moi je joue, quand je suis en, imagine, vous voyez, quand je suis sur Fortnite, et quand je veux changer d'écran, aller sur mon autre écran, parce que j'ai deux écrans, quand je suis sur Fortnite et quand je veux changer d'écran, ben vous voyez, du coup, on change d'écran, j'appuie sur la touche Windows de mon clavier. Et alors, mes FPS sur Fortnite sont à 120 FPS. Mais quand je change d'écran en appuyant sur la touche Windows en allant sur mon autre écran, l'FPS diminue. Normalement, ça devrait diminuer à 30 FPS. Sauf que ça diminue, ça va en dessous de 30 FPS. Vous voyez? Et ça, c'est un problème avec moi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont ce même problème. Ou bien si je suis le seul. Mais voilà, ça c'est le problème que j'ai. Et que par exemple, quand je suis en live, je suis obligé de changer d'écran pour aller sur. Je suis obligé d'aller sur mon. Quand je suis sur Fortnite, je suis obligé, bien obligé d'aller sur mon autre écran pour aller gérer sur mon chat, écrire et tout, parfois de temps en temps. Et du coup. Quand je change d'écran, quand j'appuie sur ma touche Windows pour aller sur mon autre écran pour aller voir mes messages sur Discord ou d'autres trucs, et ben c'est à ce moment-là que ça va bugger. Du coup, je sais pas, est-ce que je suis le seul qui a ce genre de problème, mais de FPS qui bug quand je change d'écran, ou bien il y en a d'autres qui ont aussi ce problème, parce que moi ça me stresse, je sais plus quoi faire. Voilà, dites-moi quoi, voilà. Mon frère me dit que ça n'a rien à voir avec le matériel, du coup. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors dites-moi, quelle est la solution? Merci.